J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je roule sur la piste DH de Choigne. Bon, hein, comme habituellement, entre guillemets. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas le Jeff C parce que la fourche et l'amortisseur sont partis chez X1 Racing pour la révision. Donc, du coup, Nono m'a très gracieusement prêté son Scott Ransom 930 2020, celui-là. Voilà. Donc merci mon pote. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec une petite équipe habituelle, hein, entre guillemets. Attendez, je vous essuie, vous êtes sale. Donc on va se retrouver avec une petite équipe habituelle et puis on va essayer de profiter un maximum. Il y a de la neige, donc j'espère que ça va aller quoi. Voilà. Bon allez, c'est parti. Là. Encore les cailloux. Ça c'est la merde. Et jusqu'en bas. Et vas-y Charles. Harry. Charles Ingalls. Charles le Canadien. Wouh. Ouais, ouais, vas-y, tant pis. Oh, c'est chier, merde. Ah, ça y est, j'ai éclipsé. Oh, hop. Et vas-y, Quentin. Oh la merde! Parce que j'ai pris un truc dans l'œil, mon gars! Oh! Bon, bah, allez, on recommence. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre un masque. Parce que là, j'ai pris une grosse boulette de terre dans l'œil. Ça m'a complètement déstabilisé. Je voyais plus rien. Il y a trop de boue. Ça débourre pas. Ouais, vas-y hein. Hop. Voilà, avec ça les gars, ça va aller beaucoup mieux. Donc là on arrive.
Et là tu chies là. Parce qu'en fait c'est un trou. Hein Dylan? Hein? Bon, tu vois la tête qui dépasse là, juste là? Ouais, regarde. Le bonhomme il fait 1m80. Hein. Donc là... Il y a un beau trou. Ouais, c'est pas mal. C'est bon bro, je suis là, ça passe. C'est bon? Ouais, nickel. Je peux le faire avec mon B-Twin? Oui, fais-le avec ton B-Twin. Attends, faut pas que je me pète la gueule maintenant. Attention. C'est beau. Allez, on va les rattraper. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, bro. Lâche les freins, Dylan. Ah ouais, tout seul, bro. Là, je dis lâche les freins. Ah c'est bien là. Alors, allez. Donc là, on est sur de la piste hein, vraiment typée enduro là. Oh putain! Voilà. Y a tout le monde? Ouais. Voilà, on pose. Oh putain! Ouais, c'est rien, j'ai accroché le front. C'est rien. Ouais, parce que bon, c'est bien raidos quand même ici, hein. Mais bon. Ouais. Je suis à plat. Ah non, je croyais. Ah si, je suis à plat, gros. Je suis à plat. Franchement, pas mal. Quentin m'a donné cette petite technique-là qu'il a vue sur une autre chaîne. Et franchement, c'est sympa. Pas mal l'idée. Hein. Bon, Nono, je suis désolé, mon vieux. Je crois que je vais te donner un pneu. Je vais te donner un pneu parce qu'il a percé là, il a traversé au-dessus là. Il y a un trou, il est terriblement gros. Donc bah écoute, je te remets un DHR que j'avais d'origine temporairement. Et puis voilà. Désolé mon vieux. Bon bah voilà, on a terminé la journée. Je suis content parce qu'on a passé quand même pas mal de caps, de nouvelles choses. Bon, je vous le répète encore et je vous le dis toujours, et je suis pas le seul, il y a énormément de youtubeurs qui vous le disent. Mais la GoPro aplatit énormément le terrain. Le trou, la falaise qu'on a fait, bah, vous avez vu dans la vidéo, il y a un trou de presque 2,50 m hein, quand même. Hein. Donc je peux vous dire que c'est impressionnant et c'est un mur, hein, c'est vraiment tout droit. Hein. Merci encore Nono de m'avoir prêté ton Scott Ransom. Tu sais que maintenant il faut changer l'amortisseur parce que le X-Fusion c'est vraiment pas génial. Pour ceux qui se poseraient la question qu'ont des Ransom, le Fox X2, cherchez pas, ça passe pas dans le cadre. Il en a acheté un, ça passe pas, on a dû le revendre. Je sais qu'il y a des Hollings TTX22, je crois que c'est ça qui passe. Enfin bon bref, c'est encore un billet de 1000 balles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah à la prochaine. Allez, ciao.